Salut les amis, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Roquefort-les-Pins dans le 06, les Alpes-Maritimes. Et je voudrais commencer cette petite vidéo en faisant un petit coucou à Lara de Menton, c'est une jeune abonnée. Aujourd'hui nous allons explorer, enfin du moins si nous la trouvons, la grotte de la Chèvre d'Or. Alors ce qui fait peur, c'est qu'on a demandé à des gens du coin, et apparemment ils ne l'ont jamais trouvé. Donc j'espère qu'aujourd'hui nous allons avoir un peu plus de chance. Je suis un peu sceptique. Un peu là. Ouais, c'est un peu le nid du chemin là. Et bien après une bonne heure, voire une heure et quart de marche, nous avons enfin trouvé la grotte. Allez, c'est parti. Fais gaffe, ça glissant, vraiment. Hop là. Alors, là c'est une patinoire. Oh punaise. Ça a l'air vachement humide en plus. Il a plu la veille surtout. Ah ouais quand même. C'est magnifique. Alors c'est ouais, c'est vraiment magnifique. J'ai qu'un mot à dire. Alors j'ai la cam qui se remplit de buée, hein, donc je sais pas si vous allez bien voir. Je vais filmer lentement. Il n'y a pas d'écho du tout. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On a une cheminée. On se prend de la flotte sur la gueule, c'est normal. C'est moins cette qualité. C'est bien qu'elle glisse. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est ma première grotte. Bon, j'en ai déjà fait, mais des grottes avec des guides, quoi, visitables, aménagées, etc. Là, c'est ma première grotte sauvage, en fait. Et je suis un peu ému. Je laisse un peu apprécier. Regardez-moi ça, c'est somptueux. Ça a été un peu dégradé par des sagouins. Ah ça, faut toujours s'y attendre quand il y a quelque chose comme ça qui est ouvert à tout le monde. Là je suis carrément ému quoi. Voilà, ce truc naturel, là, c'est là depuis des millions d'années, quoi. Morceau d'histoire qui est saccagé. Ces cavités. Ça te plaît ou pas? T'es pas ému quand tu vois ça? Mais grave, je vois ça comme dans les films. Le petit il est bail là. Il y a de quoi. On va continuer à progresser. Alors ce qui est fou, c'est que niveau température là, il fait super bon. Mais vraiment. Il fait une bonne vingtaine de degrés. Alors la grotte continue. C'est quand même assez profond. Ah oui,
Alors là, on tient debout. Hein. Je sais pas si vous voyez bien loin. Oh punaise. Essayez de rester là. Non, viens, viens, mon frère, avec la lampe, s'il te plaît. Essayez d'éclairer là. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il est par là. Ça s'arrête là. Alors, là c'est de l'argile par terre. Ah oui, d'accord. Alors là, l'artillerie, c'est d'époque 1887 quand même. Ça. C'est magnifique. Alors là, mille la spéléo. Pour nous, l'aventure s'arrête là. Pour vous, je pense que la vôtre commence ici. Hein, vous voyez. Bon, je vais pas mis aventure. Hein, je suis pas équipé pour. J'ai mon petit côté claustro aussi qui survient là, mais pourquoi pas une prochaine fois. Alors, on va faire machine arrière, mais on va prendre le temps de bien la regarder. Alors je vous avoue que je suis pas, mais vraiment pas du tout déçu. Hein. Ah, là, ça continue aussi. Bon, allez, hop. Ah, on va finir à quatre pattes. Ça continue. Ça continue. Sortir. Regardez-moi ça. Bien les amis, cette vidéo se termine. J'espère que cette exploration vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir. N'hésitez pas à liker, à partager sur tous vos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Tchuss.